Bon, on commence bien. Donc nous continuons l'aventure. Alors aussi, je vais profiter de ce que je fais pour remercier les gens qui regardent les vidéos, parce que vous êtes nombreux à regarder, enfin nombreux. Vous êtes quand même quelques-uns à regarder mes vidéos de Let's Play, alors que ce soit Assassin's Creed, Escaplan, que Poupetteur, Camille, Final Fantasy 17 qui est paru pour moi aujourd'hui, pour vous peut-être demain ou après-demain. Ça dépendra quand cette vidéo sera en ligne. Et du coup, bah, je suis quand même très content que du coup ça vous touche et que vous regardiez ces let's play là, enfin mes let's play, parce que moi ça me touche beaucoup, ça me motive vraiment à continuer à faire mes vidéos, parce que je prends un grand plaisir à les faire. Et du coup, c'est très très gentil. Alors, je crois qu'il faut les deux là pour. Thank you.
Ah, c'est pas très évident quand même. Du coup, ouais, ça me motive et... Et je tiens vraiment à vous remercier, parce que sans vous, bah, sans les gens qui regardent, ouais, bah, j'aurais pas envie de faire ce... pas forcément envie de continuer. Et là, en voyant que l'esprit vous plaît, bah, ça me donne envie de continuer sérieusement une vidéo. Et je suis très serein. Voilà. Du coup, je tenais à vous remercier. Voilà. Donc, désolé d'avoir un peu pas payé mais pas loin, parce que jouer en même temps, parler, c'est pas forcément très évident. Comme vous le savez, sûrement, toi tu l'as déjà dit. C'est vrai que c'est pas évident de faire le thé en même temps, surtout quand on est dans un jeu comme Escape Plan ou... où il faut quand même se concentrer un minimum. Alors, ici dans Escape Plan, parce que je l'ai lu, je me suis quand même un peu renseigné encore un peu plus sur le jeu pour pouvoir vous en parler un petit peu mieux. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, concernant la revanche, le chiffre qu'il y a sur le ventre de chaque personnage, c'est leur compteur de mort. Le nombre de fois où ils sont morts. Et je sais qu'il y a un objectif. Oh, le but c'est de mourir le moins possible dans le jeu. Faut que je veux vraiment que je me dirige bien. Alors.
secours pourrait avoir un nombre de fois où je meurs très facilement. Regarde, moi je vous conseille que si vous aimez mes vidéos et que vous voulez être tenu au courant de quand j'en fais des, quand je mets des nouvelles, que j'essaie de vous en mettre le plus souvent qu'il m'est possible de le faire avec le matériel que j'ai pour l'instant, pensez à vous abonner à la chaîne, comme ça vous saurez quand je mets des vidéos. Surtout si vous aimez mes petits let's play. Donc là, ce niveau, je sens. Que je mourrai assez souvent. Passer le niveau, chose qu'on ne fait pas parce que déjà moi ça fait que je vais passer le niveau et que de deux et ben ça le fait et vous vous montrez de comment on fait les niveaux et en même temps de vous montrer comment que je fais pour mourir et que c'est pas forcément si, par contre, pour monter, je peux pas comment faire. Alors là, il reste là. Mais non, je veux pas que tu fasses ça. Bon, l'idée que j'avais était pas la bonne, du coup on va tout juste recommencer. En plus, dans le split escape plan, comme il y a un objectif qui était les attaquants, j'essaie de les chercher en même temps. Alors si j'en loupe, n'hésitez pas à me dire. Et on la récupérera un peu plus tard dans cette vidéo. Ah oui, alors, pour Escape Plan, il y a une sorte de 4 DLC. Bon, je meurs. Alors il me faut autant d'essais que tout à l'heure pour réussir, on va bien rigoler. Le pauvre Lille, il s'en prend plein les dents. Qu'est-ce que je dis? Ah oui, dans Escape Plan, il y a 2-3 DLC. Il y en a 3. Ils sont pas très chers. Malheureusement, moi je ne les ai pas. Je pense me les prendre pour vous les faire aussi en vidéo à la suite de l'histoire principale. Mais ça sera pas forcément pour tout de suite. Thank you.
J'achète cette concentration un minimum. Pas la même bêtise. Et voilà. Du coup, là, il faut activer deux interrupteurs pour finir une vidéo. Là, on a une trois petites étoiles là. On continue. On va faire comme ça dans tous les aspects. On va faire un pas mal de petits niveaux. Alors, je sais qu'aussi qu'il y a un objectif avec les boutons. Excusez-moi. Excusez-moi de... Ceci. Et... Parce que je ne me rappelle pas de tous les niveaux, même si j'avais fait sur un Vita comme j'ai dit. Et voilà. Donc là, le but c'était d'essayer de diriger le tout pour tomber dessus. Donc ouais, les moutons sont très très utiles.
Voilà. Là, je me suis un peu trompé, alors on recommence. Et voilà. Donc, on va continuer. Nous allons s'arrêter là, comme d'habitude, à la petite cinématique. Je vous dis merci de m'avoir suivi encore une fois et de me suivre et de regarder mes let's play, donc celui à Descaplan qui, j'espère, vous plaît beaucoup. Je vous dis à une prochaine fois, à bientôt. Je vous dis une prochaine fois et à bientôt. Ciao tout le monde.